Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve un peu sur BO3 pour parler. Sérieusement, je suis en train de réfléchir. Je sais pas si je vais tout simplement, je vais vous dire. Donc là, je vais vous en parler à la Paris Game. Mais après ça, je sais pas, ou même avant, ou je pense peut-être après, je sais pas. Je vais voir, peut-être soit refaire une nouvelle chaîne ou arrêter YouTube. Parce que bah, tout simplement, c'est super d'avoir 2000 abonnés et tout. Ça fait super plaisir. Mais le souci, c'est que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de j'aime, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos. Et du coup, bah, en fait, ça me démotive un peu. Ça me fait super plaisir en fait de faire des vidéos. Mais sérieusement, je suis en train de m'embêter un peu. Je sais même pas. Voilà, je suis en train de réfléchir pour savoir ce que je vais faire, si je continue ou pas du tout. Parce que du coup, c'est un peu embêtant. Moi en fait ça me fait super plaisir faire des vidéos avec vous, jouer avec vous, passer du bon moment. Je vais peut-être rester sur la console, je vais jouer c'est sûr, mais je pense que les vidéos je vais peut-être faire une pause ou je sais pas, réfléchir, revoir pour faire autre chose, parce que j'ai envie de vous dire, voilà, c'est vrai, je suis en train de chercher les mots, c'est gentil de faire des vidéos avec vous, il n'y a pas de souci et tout, mais je vois que il n'y a pas beaucoup de remerciements entre guillemets derrière. En gros, c'est-à-dire que bah voilà, il n'y a pas beaucoup de vues sur les vidéos. C'est vrai, pour une personne, pour 2000 abonnés, pour avoir 40 vues sur les vidéos, voilà, ça, c'est bof. Quand je vois les autres youtubeurs, ils ont pratiquement 1000 abonnés, ils ont tous voilà, 1000 vues ou 1000 j'aime. Voilà. Là, je suis à 2000 abonnés, il n'y a pas beaucoup de j'aime, il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et ça, heureusement, bah, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, essayez de m'aider si vous voulez que je reste sur YouTube. Voilà, essayez de trouver. Voilà, essayez de m'aider dans les commentaires. Voilà, je vais me répéter un peu, mais j'essaie de trouver des choses. Mais sinon, voilà, essayez de m'aider dans les commentaires. Genre, me dire, bah, faut faire ça, faut faire plus de ça. Essayez de faire, je sais pas, faire plus de vidéos avec la team. Je sais pas, trouvez-moi des idées pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, les trucs à changer ou à pas changer. Donc, voilà, c'est sûr. Ça démotive un peu parce que c'est vrai, j'en parle beaucoup et il y a la team qui m'en parle, donc Yuzi qui me dit bah essaie de faire une vidéo pour dire que t'arrives YouTube ou en parler comme ça, c'est vrai. Et là, voilà, j'y pensais et c'est vrai, c'est un peu embêtant. Donc j'espère que ça va par la suite avoir, j'espère que ça va marcher. Donc avoir plus d'abonnés, et pas plus d'abonnés, mais au moins plus de j'aime ou de commentaires et de vues. Mais je fais pas cette vidéo là genre pour avoir plus de j'aime, plus de vidéos, ça cette vidéo, vous inquiétez pas. C'est juste pour vous en parler en disant que c'est un peu embêtant parce que on se lance sur YouTube, ça va faire 2 ans à peu près, si je me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et au bout de 2 ans, oui, sur certaines vidéos, il y a beaucoup de vues, il y a beaucoup de personnes, voilà. Il y a beaucoup de commentaires, il y a des vidéos, ouais, ça a bien marché. Mais d'autres, maintenant que je regarde les vidéos que je fais maintenant, je parle vraiment de maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vues, il n'y a plus rien, il n'y a plus de commentaires. Après, oui, il y a toujours des abonnés qui sont fidèles, qui sont toujours là, que je reconnais très bien. Même si vous regardez cette vidéo-là, je sais que vous allez être les premiers à vous répondre, à dire oui, nous on est là, nous on est là. Je sais très bien que vous êtes là, mais je parle des autres, du reste, la moitié des abonnés qu'on voit pas beaucoup dans les commentaires. Et c'est vrai, vous regardez les vues, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Et du coup, c'est vrai, ça démotive quand on regarde des fois. C'est sûr, les abonnés, ça monte. Il n'y a pas de souci, j'ai un max d'abonnés. Ça fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur. Mais le truc qui manque sur la chaîne, en fait, c'est des vues, des commentaires et des j'aime. C'est ça qui manque sur la chaîne. Sinon, les abonnés, il n'y a pas de souci, j'en ai un max. Ça, voilà. Mais le plus, voilà, comme je vous le dis, c'est les vues, les j'aime et les commentaires. C'est ça qui manque sur la chaîne. C'est ça qui est dommage, et c'est vrai, c'est ça qui fait vide. Donc voilà, je dis pas que ça me fait pas plaisir faire des vidéos avec vous, ça me fait plaisir, on en rigole. Voilà, même si des fois on fait pas de vidéos, donc des fois je joue comme ça au dehors des vidéos, donc avec les abonnés ou avec la team, voilà, on profite, on rigole, on se tape des barres, donc du coup voilà, on en profite un peu. Mais sinon, essayez de vous mettre à ma place, juste 2 minutes, sans critiquer, mettez-vous à ma place et vous dites, c'est vrai. Si on a une chaîne de 2000 abonnés et on n'a pas beaucoup de vues, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vrai. Vous essayez de trouver des moyens, vous essayez de trouver des choses. Donc voilà, je sais pas. Yuzi m'a aidé un peu, il m'a dit soit
refais-toi une nouvelle chaîne en disant tu repars sur une nouvelle chaîne et tu refais un nouveau nom, mais moi ça m'intéresse pas, je veux garder mon nom Superflo. Voilà, est-ce que je refais une nouvelle chaîne, mais moi je veux rester sur des plusieurs vidéos, comme du gameplay, genre GTA, partir sur du Call of, partir sur du Just Cause, voilà, faire des plusieurs jeux découverts. Après, voilà, j'attends vraiment vos commentaires, j'attends vraiment vos retours. Donc essayez mes idées dans les commentaires, soit à mieux comprendre, à mieux dire pourquoi il faut faire ça, ne pas faire ça. Voilà, vous allez peut-être comprendre, vous allez dire ouais, bah, on va l'aider, oui, non, arrête YouTube, je sais pas, voilà, aidez-moi. Dites-moi dans les commentaires, vous pouvez voter, vous pouvez dire non, arrête YouTube, oui, continue YouTube. Et voilà, je reçois beaucoup de messages, et voilà, j'en ai reçu encore. Là, à l'heure que je vous parle, je vais vraiment vous dire, on est mardi 11 octobre. Et là, j'ai encore reçu un message sur Facebook, continue tes vidéos, je te kiffe. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est embêtant. Donc voilà, c'est vrai, ça fait plaisir quand je reçois des messages, comme je vous disais. Continue tes vidéos, ça fait plaisir. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir, ça je le reconnais. Mais le truc qui manque, comme je vous disais au début de la vidéo, c'est les j'aime, les commentaires, c'est ça qui manque. Après, si vous voulez que je fasse plus de vidéos avec la team, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est que, en fait, je voulais vous dire vraiment le souci. Et je sais pas si vous allez ressentir la même chose, c'est il manque de vidéos avec la team. Et de fun, des vidéos fun. Je suis d'accord, mais le souci, en fait, là, je suis pas chez moi. Je suis chez ma mère et mon beau-père. Et le souci, pour faire les vidéos tous les jours, c'est pas facile. Parce qu'en fait, les murs, comme ils sont pas trop épais, donc si genre là, je parle, je hausse la voix, ils vont entendre. Donc, voilà, c'est ça qui est un peu embêtant. Eux, d'un côté, ma chambre, en fait, elle est à côté de la salle. Donc, le souci, c'est que si je parle trop fort, ou eux, ils parlent trop fort, bah, on va entendre. Et ça va être un peu gênant. Donc, c'est pour ça, là, j'essaie de trouver autour des vidéos, trouver un appartement. Donc, j'essaie de me trouver un petit appartement quand même pour être tranquille, pour faire plus de vidéos avec la team et tout. Le plus compliqué maintenant, c'est j'essaie de chercher, j'espère de croiser les doigts, de trouver un appartement, comme ça je fais un max de vidéos avec la team. Après, je m'en fous, même si je me couche tard, je m'en fous, et voilà. Non mais sérieusement, c'est un peu compliqué quand on est tout seul, qu'on n'est pas chez soi, et faire des vidéos, ce serait pour en parler, c'est un peu chiant. Quand il y a des personnes qui sont un peu plus vieux que nous, entre guillemets, voilà, ils sont pas vraiment âgés, mais qui sont un peu plus vieux, donc du coup on sait pas trop. Ils savent très bien que je fais des vidéos, mais pour eux ça peut être embêtant de tout le temps dire oh, je fais une vidéo patati patata. C'est vrai, à la force ça peut se comprendre. Donc voilà, j'essaie de trouver un appartement. Donc c'est pour ça, je pense je vais pas arrêter YouTube, mais je suis en train de réfléchir. Donc où je fais une petite pause, je pense je vais voter vraiment pour faire une petite pause et de réfléchir sérieusement pour faire la suite, pour continuer un peu YouTube. C'est vrai, ça me fait plaisir de faire des vidéos avec vous, c'est ça qui me touche un peu, faire des vidéos avec vous. Je reçois à chaque jour, je vous dis, des commentaires, des messages en privé, on me dit oh, c'est bien, continue, on t'aime bien, ça me fait plaisir. Mais le souci, c'est il manque de vues, il manque d'abonnés, il manque pas d'abonnés plutôt, il manque de vues, il manque de j'aime, il manque de commentaires, et c'est ça qui manque en fait sur YouTube. Il manque aussi pareil sur Twitter et sur Facebook, mais le plus c'est sur la chaîne qui manque beaucoup, parce que c'est vrai, je vois sur les vidéos, on dépasse pas beaucoup les 100 abonnés. C'est ça qui est un peu dommage, ça dépend lesquelles vidéos, mais sur la plupart du temps les vidéos on ne dépasse pas les 100 abonnés, et c'est ça qui m'embête un peu. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui pour vous en parler un peu. C'est pas pour dire oh, t'as 2000 abonnés et tu les as, bah ouais j'ai 2000 abonnés, je suis d'accord, mais le truc qui manque, je vous dis très bien, c'est les vues, les commentaires. C'est ça qui manque le plus sur ma chaîne. Après voilà, de toute façon là je vais faire une autre vidéo pour vous dire quand je vais à la Paris Game. Vous inquiétez pas, je suis en train de voir parce que je vais y aller avec quelqu'un de ma famille. Je vous dirai plus en détail. Donc on ira, j'irai prendre mon PC, je pense, portable avec moi pour faire des vidéos en direct de la Paris Game. Donc on va dormir à l'hôtel, bref. Donc je vous dirai ça quand. Je prendrai ma GoPro avec moi et tout. Donc du coup, ça peut être pas mal faire des vidéos à la Paris Game. C'est la première fois que j'y vais. Donc voilà, c'est deux places qu'on a achetées. Tout simplement parce que j'ai pas eu le petit pass. Bref, et... Donc du coup voilà, je vais voir parler à la session, en principe on va à la Paris Game, je vais faire des vidéos. Donc du coup je continue les vidéos jusqu'à la Paris Game, mais je pense peut-être avant je vais faire une pause ou après. Si j'ai un appartement, si je me trouve un appartement juste avant, ça sera vraiment pas mal, comme ça je peux faire des vidéos avec vous et la team. Ça sera peut-être plus facile pour moi, je pense que c'est peut-être ça qui manque en fait, c'est les vidéos avec la team. Parce que on a la team, mais le souci c'est quand ils me proposent des vidéos, je suis obligé de leur dire non,
Ou je peux pas parce que c'est un peu béton qu'on a avec la famille. Parce qu'on peut pas parler trop fort. Donc c'est ça qui est embêtant. Donc du coup voilà, j'attends vraiment que vous m'aidiez dans les commentaires. Et j'attends vraiment vos retours. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Aidez-moi vraiment, aidez-moi. Et moi je vous dis à très vite. Ciao bye bye et bon game à tous. Salut!